Oh là 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 là, le tournoi c'est demain, il me manque un deck. Voici un deck qui pourrait jouer au tournoi. Mais du coup, il y a aussi, on retrouve aussi sur ma chaîne dans les sections playlist, la playlist avec la vidéo de préparation de ce tournoi-là qui vient. Et puis là-dedans, il y a aussi une belle pelletée de deck que vous pouvez jouer. Mais hop, je rajoute un, ça me fait plaisir. Du coup, ce deck-là, comme vous pouvez le voir tout de suite. Bam, Evangeline, et oui, on rappelle ce compagnon est complètement cassé. Donc, les sorts pour récupérer Evangeline, Foudroyer qui applique Éventé, Rafale qui vient consommer Éventé pour donner Nora, Brise qui fait 32 de dégâts de loin, et quand t'es au corps à corps qui vous donne une épée R, 2 de jauge, c'est parfait. Et puis, on a un petit sort de placement qui vient changer notre place avec l'âme spectrale. Donc, ça va être pour but de chercher Evangeline, de l'invoquer assez tôt. Parce que c'est ce qui tabasse, et une fois qu'on l'a invoqué, on essaye de récupérer le kill avec sacrifice spectral et le champ du signe. Alors, ce combo-là, comment il fonctionne? Le champ du signe plus 100% attaque à un allié. Alors, déjà, faut pas oublier que dans ce deck-là, vous pouvez le jouer sur vos compagnons. Ça veut dire sur Evangeline, quand elle va bientôt mourir, ça peut permettre de doubler ses dégâts. Donc, ça va vous rajouter 44 dégâts sur la table, voire plus si vous comptez les dégâts en AoE. Ça se joue aussi très bien sur le héros martyr. Hein. Ça, c'est un classique de classique. Sur le Lamargaidon qui double son attaque et crève, du coup va soigner de 80 tout vous et tous vos compagnons. Et puis ça peut se jouer sur le héros apaisant ou l'oracle français, mais peut-être un peu moins utile. C'est surtout sur ces deux-là qu'on va vouloir faire. Ou alors sur son héros. Et oui, parce qu'on peut le faire sur son héros. Parce que si on gagne 100% d'attaque mais qu'on meurt à la fin du tour, mais qu'on gagne avant la fin du tour, c'est parfait en fait. Hein. Du coup. Ça nous fait passer à 52 d'attaque, donc déjà ça nous fait gagner 26 dégâts flat. Mais en plus, il y a quoi d'autre comme intérêt à le faire sur soi-même? Et le sacrifice spectral qui inflige l'attaque de notre héros à un adversaire adjacent, ça fera aussi 26 de plus. Donc ça veut dire que là, si on considère votre attaque plus ce sort-là, pour 4 PA, vous en avez pour 102 104 dégâts. C'est pas mal. Qu'est-ce qui scale sur l'attaque en plus? Et oui, l'âme qu'on a en main, elle scale sur l'attaque. Ça veut dire que si jamais vous avez. Alors, si jamais elle est déjà invoquée, ça va pas le faire gagner de l'attaque. Par contre, si vous avez l'âme en main, la carte de l'âme en main, et que vous faites champ du signe sur vous, puis que vous invoquez l'âme, et comme vous montez à 52 d'attaque, elle va en avoir 26. Donc là, vous pouvez commencer à compter. Champ du signe, plus sacrifice spectral, plus l'âme, ça fait 130. 130, ça commence à faire beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on a en plus dans le deck? On a le héros apaisant. Donc le héros apaisant qui va repousser les adversaires adjacents à sa mort de cette case. Et ça c'est excellent pour faire un sacrifice spectral avec. Parce que vous pouvez du coup bloquer les potentielles cases de poussée que héros apaisant pousserait l'adversaire. Et vous faites le sacrifice spectral. Genre vous invoquez le héros apaisant, vous tapez le héros adverse. Vous faites ça, vous avez fait le champ du signe sur vous. Sacrifice spectral sur le héros apaisant. Donc vous infligez vos fameux 52 puisque vous êtes boosté. Et puis en plus, lui, il va infliger donc ses 18 de base et ses 32 dégâts de dopou. Bon, 18 plus 32, ça fait 50. Et donc là, vous regardez que pour 6 PA, héros apaisant, sacrifice spectral, le champ du signe et âme, on en est pour un total de 130 et 50. Donc 280. Ça fait énormément. Qu'est-ce qui peut ralentir ce combo? C'est ne pas avoir le corps à corps. Oui, parce que pour infliger les 52 avec l'attaque de notre héros, il faut avoir le corps à corps, pour pouvoir invoquer des trucs, il faut être relativement proche. Donc il y a des combinaisons qui peuvent être faites, même quand on n'attaque pas nous-mêmes avec notre héros, mais ça fera moins évidemment. Du coup, le plus important c'est réussir à bien se placer, d'où la prise spectrale. Si vous préférez que vous trouvez ça plus à l'aise, vous pouvez mettre un bon à la place. Donc ça fera pas de jauge, mais ça peut être meilleur dans certains cas. Le simple fait que juste ça vous donne plus de mobilité. Parce que vous pouvez traverser, vous n'avez pas besoin de votre âme pour vous déplacer. Et en plus de ça, le petit truc un petit peu sympa, c'est que ça inflige 25% d'attaque de votre héros. Donc, ce qui, de manière générale, donc 26 divisé par 4, on a pour 7, je crois. Et du coup, avec le champ du signe, ça fera plus. Mais bon, ça, c'est pas énormément plus, c'est juste important d'oser. Ici, moi, j'ai pris prise spectrale parce que prise spectrale plus désigné volontaire plus l'âme, ça, vous allez voir, ça va faire des jolis tours. Ça veut dire soit on a déjà l'âme sur le terrain, on peut la faire avancer, slash la faire attaquer, puis faire l'échange de place, puis taper avec notre héros, puis sacrifier notre âme, puis renvoquer une âme et qu'elle retape. Ou dans l'autre sens, on invoque une âme, on la fait avancer, on swap, puis on la sacrifie et ça vu qu'elle sera hors de position dans tous les cas, c'est pratique. Et puis évidemment, la nouvelle vague, 36 dégâts
Pour 6, ça fait 2 jauges. Ça, c'est pour récupérer Héros Paysan et Héros Martyr. Héros Martyr, on va récupérer ses voies terre avec Algarade. Algarade sort classique pour cycler le deck. On évite de faire sacrifice spectral tant que c'est pas pour tuer. Parce que, en vrai, c'est moins. C'est pas un sort de fou tant que c'est pas pour tuer. Et puis, bah, si je ressens un truc à sacrifier, il vaut mieux faire des involontaires. Et puis, bah, Oracle Français, ça sert à. Justement, c'est un peu pour ça que je la joue quand je dis ça manque un peu de placement, il faut réussir à atteindre le roi adverse pour faire le combo. Bah, elle va permettre de pousser quelqu'un qui bloquerait le chemin, de pousser votre héros pour lui faire gagner 2 cases. Ça peut rentrer 22 dégâts aussi, c'est pas mal. Donc voilà. Voilà. On va faire une game avec le deck. Je pense que ça va être plus parlant. Peux pas mettre en pause? Je peux pas mettre en pause? Non, je peux pas. Bon, bah, vous allez attendre avec moi jusqu'à ce qu'on trouve une game. Hein. Du coup, à propos de ce deck, il y a beaucoup de choix qui peuvent être faits en fonction de la game. En fait, genre, le plan de jeu, il est assez varié parce que, en fonction de comment vous voulez atteindre le. Enfin, genre. Dans tous les cas, faut un peu rush l'adversaire, ça c'est à peu près classique. Donc là, déjà, c'est pour ça qu'on va faire ces deux sorts là. Mais il faut se dire que le but avec ce deck, c'est d'atteindre. Ouais, d'atteindre la capacité de faire votre burst. Mais votre burst, il peut être fait modularement en fonction des de PV de l'adversaire et de la position sur le plateau. Du coup, faut réussir à gérer sa position, faut réussir à. Compter, c'est ultra important de savoir compter avec ce deck parce que si vous comptez mal et que vous ratez votre calcul et qu'il vous manque de dégâts et sauf que vous avez fait le champ de signe sur vous, bah vous perdez la partie. Donc voilà, il y a beaucoup de choix à faire. Si on va pas trop s'approcher vu que c'est Kassai, donc on n'a pas envie de lui donner des attaques. Donc faut réussir à faire c'est des bons choix stratégiques qu'il faut faire en fait, genre. Les sorts sont pas très durs à jouer, c'est pas mais voilà, faut réussir à faire des bons choix stratégiques. Sachant que, comme là, un petit truc qui est important à savoir, la Evangeline elle dit faire des tours en fichant attaque aux adversaires alignés avec elle, elle s'activera avant la mort de Chant du Cygne. On va baisser le son du jeu. On va baisser le son du jeu, puis on va mettre un petit peu de musique aussi, je crois. Hop. Du coup, ouais, la mort de votre héros ou alors de l'Evangeline s'effectuera après. Les dégâts de fin du tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez bah, l'attaque à Evangeline, évidemment elle va infliger ses 44 dégâts supplémentaires puis crever. Et puis si jamais vous mettez la boule cette action d'ici sur vous et que la Evangeline tue l'adversaire, vous remportez la partie. Avec son passif, vous remportez la partie. Est-ce qu'on va nettoyer son compagnon? On a un peu un deck aggro, j'ai pas trop envie de nettoyer son compagnon. Bon là on a 5 jauges, donc à une jauge d'Evangeline, mais la jauge neutre c'est un truc qu'on va essayer de pas trop gaspiller. En vrai on peut la gagner avec Algarade et avec Désigné Volontaire, mais du coup on aimerait bien garder notre héros martyr. En fait genre, comme le dernier deck l'Amargaidon, si on peut garder notre héros martyr pour soigner Evangeline, c'est vraiment royal. J'aurais peut-être dû jouer au premier tour, j'aurais peut-être dû jouer Breeze avant Foudroyer et Rafale parce que là j'aurais récupéré Breeze et j'aurais pu avoir mes 6 jauges R. Ouais, c'est pas trop grave, je vais faire une nouvelle vague. Je vais reculer. Comme ça, je me setup un tour. Prochain tour, je peux invoquer Evangeline avec ce combo-là et le tour suivant, je pourrais sauver Evangeline avec Héros Martyr. Ah, c'est embêtant ça. Je
J'aurais peut-être pas dû la mettre là, j'aurais sûrement dû la mettre là, parce que là il peut la taper sans exposer son héros. Ouais, c'est pas non plus très grave parce que ouais, il risque de me rush, voilà exactement. Donc là on pourrait penser que je suis un peu mal en vie, mais le remortier va me soigner de 80, donc ça va être bien. Ça, ou alors j'ai peut-être un kill. Est-ce que j'ai un kill? Parce que là j'ai. Donc. Déjà, champ du signe plus sacrifice, ça fait un total de 104. J'ai l'âme en main, donc ça fait 130. Et non, ça tuera pas, hein. Même avec l'épée et tout, ça tuera pas à ce tour. Du coup, là, vu mes PV, j'ai peut-être intérêt à me soigner avec Hiéromartyr maintenant. Sinon, je peux essayer de grid et de pas me soigner avec Hiéromartyr, mais de juste faire âme désignée volontaire. Et invoquer Hiéromartyr et pas encore faire le soin. Et me garder un tour de. Ouais, je pense que je vais faire ça parce que comme il a pas de pierre en réserve et qu'il a que deux jauges. Là, je vais foutre l'évangéline ici. Taper avec mon héros là. Invoquer l'âme. Taper. Swap de place. La détruire pour être sûr d'avoir quelques PV en plus. Alors là j'ai le choix. Soit de faire héros martyr, soit de faire héros apaisant, soit de rien faire. Enfin, je vais rien faire en vrai parce que le héros apaisant me fera plus bas plus mal je pense par rapport à héros martyr. Si j'ai vraiment besoin de me soigner, je mettrai le héros martyr. Si ça permet de récupérer un kill, je vais garder les jauges pour héros apaisant. Il fait ses dégâts en AoE. Et là, on va pouvoir le tuer. Là, il est mort de chez mort. Donc, vous voyez, donc, héros apaisant. Je me donne l'attaque sur moi. Sacrifie héros apaisant, je lui inflige l'attaque. Et là, vous voyez, il prend 52 de mon attaque. Ah, c'est 28. Ah, c'est pas 32. Bah n'écoutez pas ce que je dis, je sais pas faire des maths. Donc c'est 28 le représentant, ce n'est pas 32. En tout cas après on le termine avec ça, l'évangéline l'infligeait encore 44. Je pouvais encore invoquer une âme aussi qui infligeait 26, non vraiment il était mort de chez mort. Hop les... Alors on est contre Voracius. Avec plus contrôle. Hop, on va jouer la brise en 1, les deux jauges. La nouvelle vague, théoriquement, faut le jouer une à deux fois par partie, mais pas plus, hein, parce que sinon on perd vraiment l'intérêt des jauges. Hein. On a que l'utilisation de 4 jauges haut, mais même en théorie, une seule fois par partie contre un deck qui n'est pas un deck contrôle, ça suffit. Ouais, c'est un peu triste, j'aurais peut-être pu faire d'autres trucs, mais bon, la nouvelle vague, elle va bien se mettre quand même. Ok, deux cœurs feu, ça va, ça suffit tellement qu'un cœur haut, donc on est content. Donc là, vous voyez. Alors, c'est un peu triste parce que je peux pas faire taper l'âme, donc je peux pas la faire taper, c'est un petit peu triste. Mais j'ai le swap. Je la fais crever. On va taper, en plus, ça va deny son vol de vie vu que c'est sur l'armure. Là, si je veux, prochain tour, j'invoque Evangeline. Mais j'ai pas trop envie parce qu'il a commencé à avoir beaucoup de jauge. Ah! On va peut-être nettoyer ça du coup. Genre là, j'ai envie de faire Rafale et d'invoquer Evangeline. Je peux peut-être attendre un tour sinon. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais attendre un tour. Parce que du coup. Non seulement ça va tuer l'élite quand je vais invoquer Evangeline, donc il aura pas ses 32 dégâts en réponse sur mon compagnon. Mais en plus, j'aurai de la jauge pour invoquer Héros Martyr. Encore au tour suivant. Ou au même tour, d'ailleurs je peux le faire au même tour. Ouais mais ça tuera pas l'élite. Il faut que je Héros Martyr ici. Ouais, c'est pas un truc sympa que je peux faire. Genre là, je vais swing comme ça avec mon héros. Invoquer le héros martyr ici. Je vais perdre 2 dégâts, mais j'ai l'intérêt de le taper, faire taper son héros avec. C'est lui qui va tanker le cœur. Je vais jouer bien la brise.
comme ça, après avoir tapé, du coup j'ai l'aura sur moi, et Evangeline qui tape sur la Lélie, et voilà. Donc là s'il veut creuser les dégâts de mes, enfin les PV de mes Evangeline, je mettrai le champ du signe sur mon héros martyr et ça va la soigner. Bon là il fait que 22 donc il n'y a pas besoin de se presser. Voilà, on va gentiment avancer sur les dégâts comme ça. On devrait pas être loin de le tuer là. C'est ici de pas bouger, en tout cas, de pas loin de le tuer. Alors, faut compter, du coup, c'est le moment où faut apprendre à compter. Donc, nous on fait ça plus ça, 104. Plus l'aura qui fait 23, normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle fait 23. Donc ça fait 127. 127 et 44, ça fait 167, 171. Et je peux taper avec l'âme, donc j'ai win. Ok. Donc là. Je tape avec l'âme. Je la sacrifie. Ah non, j'ai pas win. Oh, j'ai pas win. Oh, j'ai oublié de la merde. C'est le cas typique où ça nous pète les couilles parce que si je veux sacrifier quelque chose avec sacrifice spectral, soit ça sera l'évangéline, donc elle affligera pas ses 22 dégâts de fin de tour, soit ça sera mon héros, donc il sera juste mort. Du coup, oui, parce qu'en effet, on peut faire sacrifice spectral sur notre propre héros. Est-ce que j'avais gagné? Non, j'avais pas gagné, je crois. Bon, en tout cas, j'avais. Si j'ai un létal, je l'ai peut-être mis, mais je crois que j'ai pas mis ce létal. Oui, parce que du coup, je dis on peut faire sacrifice spectral sur notre héros, mais par contre, faut être sûr de tuer avec le sort, hein, parce que pour le coup, ça dit littéralement sacrifier un allié. Mais si jamais ça tue l'adversaire, vous gagnez aussi, c'est. C'est ça l'intérêt. Vous gagnez, et même s'il y a marqué défaite sur votre écran, y a. Enfin, même s'il y a marqué mort sur votre écran, vous y a marqué victoire, donc c'est une win. Non, en tout cas, là, ça devrait pas être plus compliqué que. 52. Bon là on peut taper mais bon ça n'a pas trop d'intérêt dans tous les cas, c'est ce sort là qui va être. Oh j'ai trollé, oh moi j'ai ça hein. Ou faites pas comme moi avec les cœurs, trollez pas comme ça hein. Bam. Et bam. J'aurais peut-être dû le faire sur mon héros pour le montrer, montrer l'interaction, mais en gros là si j'avais fait sur mon héros j'aurais gagné aussi, il y aurait marqué victoire aussi. Allez, allez, allez. Le deck est rapide, j'en offre une petite last, ça me fait plaisir. Mais du coup c'est un deck où il faut quand même connaître un peu les interactions, genre le deck est pas trop dur à jouer en vrai. C'est un peu pour ça que je le présente comme deck un jour avant le tournoi parce que ça se prend facile. Ah non oui non celui. Alors oui non, non pas ce mec là. Et Mij oui alors je vous explique parce que je sais pas pourquoi. Sur OBS je peux pas faire pause alors qu'avant je pouvais faire pause, donc avant je faisais juste pause. Et puis dès qu'il y avait un match je le mettais. Que là on a pas envie de jouer contre le mec qui abuse d'Expingol OP qui prenne sa victoire vu que c'est ça qui sert et puis voilà hein. On pourrait tomber. Non mais sa mère. Mais pourquoi pile le moment où il. Non c'est trop grave. Oh le on aime bien le contenu de. Ça fait plaisir hein. Alors, faudra que je config mon OBS parce que là c'est autant de temps perdu hein. Allez on s'est juste pris le top 1 top 2 qui abuse de l'un Tamashii et de l'autre Spingle. Allez hein, ça me fait plaisir de vous offrir vos victoires. Bon du coup on disait. C'est un doc, il faut connaître les interactions, il faut savoir compter. C'est ça qui va être le plus dur. Faut savoir stratégiquement la tempo qu'on a et du coup quand est-ce qu'on peut se rapprocher du kill. Mais en vrai ça va, c'est pas non plus extrêmement dur à jouer. Genre c'est un deck plus connaissance stratégique et savoir compter parce qu'encore une fois si on se trompe sur le létal c'est terminé. Genre il n'y a pas plus critique quoi. Putain, ça fait plaisir en tout cas que l'ISAM. Hein. Là, on enjoy de fou, hein. Alors, j'espère que vous kiffez la vidéo, là. Hein. Bam, bon. Un des crans à pouvoir jouer un peu au jeu. Donc là, tour 1, on n'a pas trop envie
Perdre des PA, on pourrait faire Foudroyer et âme spectrale, mais quitte à faire ça, je préfère faire Algarade. Et puis âme spectrale. Quoique, non, si de la tue, ça me fait overdraw mon armor. Oui, donc un autre truc à savoir avec le deck. Là, si je fais Algarade, ça remplit ma main, ok? Je fais l'âme, donc ça laisse une place dans la main. À la fin de mon tour, je pioche une carte. Du coup, j'aurai une main pleine. Du coup, bah, je vais te dire, je vais faire ce tour-là. Je pense que ça reste le meilleur tour. Et donc là, voilà, je suis full main. On est d'accord. Là, s'il tue mon âme, le sort de mon âme revient dans le bas de mon deck. Du coup, c'est chiant parce que je peux pas la invoquer pendant un bon bout de temps et puis je vais devoir la piocher. Donc ça, c'est une autre chose à savoir quand on joue la Margaidon. Éviter d'avoir une main pleine quand on a l'âme sur le terrain. Voilà, autant de trucs qu'il faut savoir quand on joue mal. En fait, le deck est pas dur à jouer, c'est des trucs qu'il faut savoir. Peut-être avoir peut-être un peu l'habitude de jouer le deck, faire peut-être 2-3 games avant le tournoi. Bah là, je me suis dit que je pouvais faire ce tour-là parce que j'étais à peu près sûr qu'il la tuerait pas. Alors apparemment, il pouvait la tuer avec ça. Et il a pas voulu le faire. Qu'il aurait sûrement dû le faire. Donc c'était sûrement une erreur d'invoquer l'âme. Bon, dans tous les cas, le plan classique, on la fait avancer, on swap, on la sacrifie, on la invoque, et voilà. Et là, j'ai une place pour mon âme. Dérobade, ok, intéressant. Bam, le tonnerre et la rafale. Et il prend le corps à corps, ça nous aide beaucoup. Il fait reculer. Est-ce qu'il va invoquer un truc pour me bloquer? Non, ok, il fait. Alors là, il a peut-être le combo bon, qui n'est pas disponible en tournoi, mais qui est disponible en colis. Qui est de faire Blaster Artillery. Je le soupçonne d'avoir ce combo-là en main. Quoique c'est pas dit, il a déjà joué beaucoup de sorts. Ah, il a invoqué un truc du coup, ok. Ça va peut-être le nettoyer quand même, hein. Au total, mon héros il fait 27 et 19. Donc 35. Il faut que 32 dégâts pour le terminer, ok. Alors là, du coup, comme on a pris un peu le temps de nettoyer des trucs, on va se permettre d'invoquer Evangeline. Même si c'est sur une jauge neutre, parce qu'on va récupérer une Algarade vu que c'était le premier sort qu'on a joué dans cette game. Voilà, c'est le genre de truc qu'il faut penser quand on joue ce deck là, c'est à quel point c'est gestion. En fait, c'est là aussi la gestion des jauges neutres. C'est beaucoup de connaissances, comme j'ai dit. Genre, faut un peu d'habitude sur le jeu. Mais en vrai, le deck se prend bien en main, je trouve. C'est comment ça burst Evangeline, on va pouvoir la suicider avec le champ du signe qu'elle inflige 44 dégâts de plus. Ok, il commence à bien l'attaquer. Donc là typiquement, faut pas faire sacrifice spectral parce que ça fait en gros 22 dégâts pour la mort de L. C'est nul. Tandis que là sur le champ du signe, ça fera 44 dégâts supplémentaires pour sa mort. Genre ça ferait. Non, ça ferait 26, pardon, parce que c'est mon attaque à moi, pas l'attaque du compagnon, j'ai oublié. Mais par contre. Ça c'est bien. Bah, au final, 44 on gagnera. Donc, même s'il y a une jauge de plus là-dessus, ça coûte 4. Donc, 4 pour une jauge et perte de dégâts. Alors que là, ça coûte 0 et ça nous fait plus de dégâts. On va clairement faire ça. Donc, on va le jouer en premier. Parce qu'on sait sûr qu'on a envie de récupérer le plus vite. Quel sort on fait ensuite, je me demande. Ça c'est à peu près sûr, mais alors là soit je vais taper là, puis je fais un swap. Non, soit je fais un swap maintenant, je vais taper. Non, je pense que je vais faire une nouvelle vague, on a besoin de la nouvelle vague, non? Ouais, sinon mon tour il est un peu vide. On tape bien avec l'âme vu qu'elle a que 2 PM, puis avec notre héros. Et ah, je suis un trolleur de merde et l'évangile n'a pas infligé ses 44 dégâts. Ok, bah typiquement voilà, j'aurais dû faire l'autre chose, j'aurais dû swapper avec l'âme. Pour que l'âme se retrouve là, je fais taper avec l'âme, je fais taper mon héros. Bon, en tout cas, on va faire ça. Swap avec l'âme. Sacrifice d'âme. Attention de ne pas sacrifier son héros quand on le fait. Sacrifice d'âme. On invoque l'âme, puis on va garder ça pour le kill.
Ah, Esper Inciblable, donc ça va nous empêcher de jouer de notre sort, c'est un peu problématique. Est-ce que je peux quand même le tuer? 26 et 18, ça fait 44. Et les 28 dégâts de Dopu. Ouais, ça le tue en théorie, il faut juste que je trouve une manière de le sacrifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le taper comme ça. Je vais invoquer celui-ci, je vais le faire taper son héros. Je vais mettre mon âme ici pour pouvoir le bloquer, pour pouvoir tuer ça. Je peux pas, c'est que sur un adversaire! Voilà, une autre chose qu'il fallait savoir sur le deck, on peut pas faire ça, c'est que sur un adversaire. Bon, on va piocher du coup, hein. On a pas l'air d'un con, hein. Pas l'air d'un con. Bon, en tout cas, ça tuera Breeze. Voilà, bah j'en apprends même moi sur le deck que j'ai fait. Vous pouvez pas sacrifier un adversaire si c'est pas. S'il y a pas un. Enfin, vous pouvez pas sacrifier un allié s'il n'y a pas d'adversaire adjacent à cet allié. Uniquement d'adversaire. Et qu'il faut que vous puissiez le cibler aussi. Il a un bump, c'est un peu problématique pour nous. Est-ce que je peux le tuer à ce tour? J'aurais peut-être pu le tuer à ce tour, j'ai peut-être. Ouais, je crois que j'ai mis létal, hein. Je crois que j'ai mis létal. Bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, je suis vraiment chaud aujourd'hui, hein. Je crois que j'ai mis létal parce que là, j'ai fait 32, donc ça veut dire qu'il avait 32, 18 et 13. 63 en plus, 63 et 45, 108, 108, ça veut dire que je faisais. Je t'en dessine sacrifice. Ah non, je crois que j'avais pas. Si j'avais avec Rafale, si j'avais le kill. En gros, fallait que je mette tout mon burst avec Chandusigne et Sacrifice sur son bum, ça le cassait. Ensuite, j'ai invoqué l'Oracle Français sur son héros, ça le tapait contre le mur, ça faisait moins 22. Et ensuite, ça le tuait à la Rafale avec les 8 dégâts. Bon, c'est pas grave, on finit quand même par le tuer, mais voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles faut penser quand on veut trouver le kill. C'est en vrai là, ce qui est le plus dur sur le deck, c'est trouver le kill, mais il y a beaucoup de choses à gérer avec le deck. Du coup, voilà. C'est le tour de la liste, je pense que retournant ça peut vraiment être pas mal parce que ça va chercher Evangeline et qu'Evangeline c'est vraiment fort. Et puis après il y a des jolis kills qui sont faisables. Mais c'est pas non plus si simple à jouer que ça. Mais comme c'est un Yob, vous avez peut-être pas ça dans votre liste. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait peut-être compléter votre line-up. Et puis bah si jamais vous avez déjà un Yob, il y a d'autres jeux vidéo sur la chaîne. Et oui, sur ce, au revoir.